Mon nom est Alexis Gingras et dans le cadre du Salon du livre et du comité local de la persévérance scolaire, nous rencontrons des élèves et des auteurs qui vont nous parler de persévérance scolaire et de leur coup de cœur littéraire. Le plus loin que je recule, j'ai toujours écrit des histoires, j'ai toujours inventé des histoires. Quand j'étais en bas de 8 ans, avant de savoir écrire, là, mettons entre 7, 8 ans, 9 ans, je faisais des bandes dessinées. J'ai commencé à mettre des bulles quand j'ai su écrire. Là, j'ai compris qu'en dessin, je n'étais pas extraordinaire. La lecture, je te dirais que j'ai commencé à lire aussitôt que je savais lire, mais j'ai eu la morsure, là, pas la morsure, bon, la morsure, tiens, pourquoi pas. La morsure de l'écriture, je l'ai eu vraiment vers 10-11 ans, où là, j'ai plus jamais arrêté depuis ce temps-là. Et là, j'ai décidé d'écrire des histoires d'horreur. C'est vraiment quand j'ai lu des histoires d'horreur, qui n'étaient pas pour mon âge d'ailleurs, mais c'est pas grave, je les lisais quand même. Je comprenais pas toutes, mais bon. Et là, je me suis dit, je veux écrire des histoires comme ça. Fait que je me rappelle pas de pas avoir inventé des histoires. Ça a toujours fait partie de mon ADN. Mais j'ai pas pensé à publier avant, je pense au cégep que j'ai commencé à penser à publier parce que là, le monde me disait « Ah, tu devrais peut-être un jour publier. » J'ai fait « Ah, ouais, ah, pourquoi pas? » Mais avant ça, j'écrivais juste pour le plaisir. Et ça doit être encore ça, en fait. Ça doit être encore la première motivation, ça doit être le plaisir d'écrire. Sinon, faire autre chose, t'sais.